Le Breton Warren Barguil a remporté la 54e édition du Tour du Limousin. La quatrième et dernière étape a quant à elle été remportée par le Hongrois Eric Fetter. Le classement général de ce cru 2021 du Tour du Limousin s'est joué en toute fin de course. Les derniers kilomètres ont été décisifs à l'issue d'une quatrième étape de 170 km qui a emmené les coureurs de Sauviat-sur-Vige à Limoges. Il y en a qui vont dire que c'est que le Limousin, mais avec le niveau qu'il y avait cette année et le parcours exigeant, je pense que c'est une belle victoire. Et pourtant, il y a mon fils qui est là et c'est la première course qu'il suit avec mes parents, donc c'est super de partager ça avec lui. Une 54e édition qui était comme chaque année parsemée de nombreuses difficultés pour les coureurs, avec des segments vallonnés ou sinueux. Au final, les 126 coureurs ont parcouru près de 700 km dans les campagnes Limousine et du Périgord pour le plus grand plaisir des spectateurs. J'ai vu que c'était une belle arrivée, que ça a été serré. C'est bon, j'ai fait cette étape de Limoges aujourd'hui, c'est-à-dire j'étais ce matin au départ, tout. Bon, j'ai trouvé que c'était fabuleux, impeccable. Puis le beau temps qui était là et tout ce qui s'ensuit. Une super édition avec de grands coureurs comme Warren, Thibaut, du suspense jusqu'au bout. C'est vraiment été un sacré tour, le plus beau, je pense, de ces dernières années. Rendez-vous l'année prochaine pour une 55e édition.